What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique, mais dans le sens, je vous prends une vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Et on se retrouve pour la première vidéo base tour de K-Faction V4. Mais juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais vous dire que nous allons faire l'unclaim des API dans quelques heures à 10h heure québécoise et 16h heure française. Ça se peut que ça aille jusqu'à 16h30, etc. On va attendre un petit peu, voir que tout le monde se connecte, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous capturer un avant-poste. Je répète juste qu'il y a une limite de, de 2 claims d'AP par ligne, par faction. Donc, vous pouvez avoir 2 claims nord, 2 claims sud et 2 claims ouest. Ça ne dérange pas. L'important, c'est qu'il y ait 2 claims par ligne. Sinon, plus, vous allez être disbound. Ok, ensuite, les amis, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui avec un petit question-réponse. Donc, il y avait plusieurs trucs. Donc, un parcours qui n'est pas terminé. Un quiz et des calculs qui sont pas terminés, mais il y a au moins les réflexions, donc on va essayer de faire ça pour commencer, et ensuite on va regarder des jolies bases. Vous êtes prêts? C'est parti, mes amis! Si la fille de Patricia est la mère qui... La mère de ma fille, qui suis-je pour Patricia? Ben, sa mère. Je rigole, c'est sa fille, les gars. Ensuite, si la fille de Teresa est la mère de ma fille, qui suis-je pour Teresa? Ah, c'est sa grand-mère, non? Non! Attendez. C'est sa fille. Si la fille de Teresa est la mère de ma fille, qui suis-je pour Teresa? What the fuck? C'est quoi ce genre de question, mais... Un père a 52 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible? Un père a 52 ans... Ouais, c'est possible. Je n'ai jamais dit que c'était son fils. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une rangée de 4 maisons. Les Dupont vivant à côté des Durand, mais pas à côté des Martins. Si les Martins vivant pas à côté des Gendron, qui sont les voisins des Gendron? Ce sont les Durand. Ce sont les... Non, what? Attends, on va relire. C'est une rangée de 4 maisons. Les Dupont vivant à côté des Durand, mais pas à côté des Martins. Si les Martins ne vivant pas à côté des Gendron... Qui sont les voisins des Gendreau? Bah moi je dirais les Durand, mais c'est pas la bonne réponse, c'est les Dupont vu que c'est... Voilà quoi. Désolé mon chien, il aboie. Les quatre façades ouais, d'une maison sont exposées au sud, est-ce possible? Les quatre façades d'une maison, bah non. Mais oui c'est pas... Car elle se situe au pôle nord. Ça c'est pas drôle, hein. Vraiment pas marrant. La famille Durand a 5 enfants, la moitié des filles, la moitié sont des filles. Comment expliquer cela? L'autre moitié aussi. L'autre moitié, les parents. L'autre moitié, les parents. Mais what the fuck, c'est quoi l'autre moitié aussi? C'est quoi ces trappes là? Bien joué, il te reste donc 3 autres épreuves à effectuer. Go, retour à ton home. Mais what the fuck, je suis vraiment mathématiquement stupide à ce genre de jeu. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a visité la première base. J'ai hâte de venir voir les calculs et tout. On va voir si je suis bon en mathématiques. Du moins, plus qu'en réflexion. Sur ce, merci à Mordenard et ta mère l'ours pour les petits trucs. Maintenant, on se retrouve pour la base la plus belle que j'ai trouvée jusqu'à ce moment. Donc, je suis à, selon moi, la plus jolie des farms que j'ai vues jusqu'à ce moment. Donc, je vais me promener vite fait. Mais vous allez voir l'effort qu'ils ont mis quand même pour la décoration d'une farm en plein entrecouvert. Donc là, je crois qu'il est en train de faire une trappe. On va regarder vite fait. C'est qui? Wheeler, un truc comme ça. Il est en train de faire une trappe. Mais regardez comment c'est beau. Il y a des détails. Moi, j'aime tellement la stone brick comme ça, là. La stone brick pour build, c'est tellement magnifique. On fait des fermes à melon en plus avec dedans, c'est quand même assez incroyable. J'essaie de regarder, ils ont des arbres ici, je sais pas ce qu'ils font, des trucs à melon. C'est vraiment badass, je vais me promener en hauteur, vous allez voir, regardez, c'est que des trucs de melon en plus des petits bâtiments que je trouve plutôt stylé. C'est la Stalker, donc c'est vraiment joli, personnellement, du moins je trouve. Ici, ils ont leur champ naturel, je crois que c'est juste fait pour la décoration, ils vont peut-être essayer de trapper là, ils ont un petit champ de... cactus juste ici. Et au-dessus, il y a un autre truc, j'imagine que ça, c'est... Ok. Un genre d'avant-poste pour voir tout en haut et tout. Ok, c'est bizarre un peu, mais bon. Chacun ses goûts, hein. Sinon, moi, je trouvais ça plutôt beau. J'ai dit que c'était la plus belle. C'est peut-être pas la plus belle. Il y en a qui des factions qui veulent pas que je présente.
Il y a la favoritiste qui veulent pas que je présente, mais il y avait vraiment des jolies farms et tout ça. Mais bon, c'est quand même un bon début pour même pas une semaine de jeu. C'est plutôt intéressant, quoi. Donc, maintenant, allons à la base numéro 2. La base numéro 2, les amis, est la base de la Olympe. Donc, la Olympe, ils sont quand même pas mal de coups en ce moment, comme on peut voir. Ils ont fait des biomes. Donc, on peut voir ici, il y a un biome de laine que je trouve plutôt stylé. Ensuite, il y a un biome de sable pour les pigmen. Un biome de pigman aussi encore ici, mais un biome plus mine. Et le dernier qui est un biome plus bois, genre thème comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. C'est rare que des gens font des bases comme ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas leur faire un petit truc dans la vidéo. Ils sont pas énormes, hein. C'est pas super, super grand la base. Mais sur moi, c'est protégé, je crois. Ah ouais, merde, on peut pas aller au-dessus, slash top. Donc ouais, voilà, c'est quand même claim, c'est protégé. Donc voilà, good luck à ceux qui veulent le piller. Mais je trouvais ça plutôt sympa. Personnellement, une base comme ça avec des spawners, on va voir, ils ont quand même pas mal de spawners ou pas. Ils ont 2, 4, 6, 8, 9 spawners à pic zombie. 3, 6, 8, 10, 12, ouais, il y a encore ici un autre 12 spawners. 3, 6, ça fait 3, 3, ça fait 6, 12 spawners. Et en 2, 3, 4, 5, 6, 6 Enderman aussi. Pas mal du tout, les copains. Continuez comme ça dans votre quête de vengeance pour devenir la meilleure faction du serveur, Madame et Monsieur Olympe. Et puis moi je vous dis à bientôt. It was Icons. On se retrouve pour la prochaine base. À tout de suite mes copains. La dernière base les amis, c'est une toute petite base, mais je trouvais ça super mignon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le quartz au serveur, sachant que le Nether est désactivé. Et lui il a quand même bien utilisé. Je trouvais que c'était cool. C'est notre farm à spawner. Donc des spawners à zombies. Des spawners à creeper, des spawners à enderman et des spawners à squelette. Et pour l'instant, c'est plus... Oh, shit, je me suis trompé. Donc c'est plutôt stylé, comme vous pouvez voir, il a fait des petites décos à chacun des spawners. En plus, il y a des spawners à vaches qui traînent un peu partout. Vraiment stylé, release ta base. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc je voulais la présenter aujourd'hui dans cette petite vidéo-là. Donc, je sais que vous allez vous dire, ouais, Mycons, les bases aujourd'hui, ils sont pas top top. Mais c'est normal, les gars, ça fait une semaine. Et j'ai pas encore annoncé à personne comme quoi on faisait une truc comme ça. Donc, on faisait comment on avait ça? Une vidéo de présentation de base. Donc, laissez-moi vos pseudos dans les commentaires, les amis, avec vos noms de base, vos noms de les hommes que vous avez mis. Et je vais vous proposer de regarder vos bases et tout dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine sera beaucoup mieux, ça fera faire beaucoup plus de temps que le serveur est ouvert. Là ça fait à peine une semaine les amis. Et donc c'est pour ça que c'est pas des super de grosses farms. Mais hey, il y en a des grosses quand même que j'ai peut-être pas eu encore le temps de trouver ou de voir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Et je vous laisse les amis avec un petit troll que j'ai fait sur un membre du staff. Donc vous allez voir, c'est quand même assez rigodrôle. Sur ce, je vous aime, c'est Tycoons. Et on se retrouve à 16h pour l'unclaim des AP. A tout de suite. Ok. Donc on met de la TNT partout. Et après on va lui dire, oh Choups, viens voir ta base, je crois qu'il y a un bug, t'as il y a perdu quelqu'un qui te Popeye pille. là dans les hauts là. Puis on va dire, ouais, il y a quelqu'un qui te pille. Ok, attends. C'est toi qui ouvre le coffre, c'est lui? C'est moi, c'est moi. Bon, j'ai cru qu'il était là. Attends, on va voir s'il y a des gens autour. C'est quoi qu'il y a au-dessus? Tu peux voir au-dessus ou pas? C'est pas claim, donc tu peux... Là, je top. Au-dessus, c'est une petite île. Et en bas, il y a quelque chose, c'est juste ça en fait, ça BP. En fait, en ça, fait, je vais vraiment la faire péter. Au pire, c'est pas. En fait, il voulait build un truc dessus en fait. HTTP. Tac. Il est parti. Va, TP-toi à lui, voir qu'est-ce qu'il fait. Il est au spawn, je crois, TP Choups. Ah, il est au spawn, il court. Allez, viens, va le voir, dis-lui. Oh, il y a quelqu'un qui pille ta base. Attends, on va attendre qu'il vienne quand même, sinon ça se fait pas. Je vais l'en mettre plus, ça va être plus drôle. Il y a des trucs bien dans le coffre ou pas? Non, mais que la cobble. Ouais, bon, s'il y a besoin des trucs, on lui en redonnera, c'est pas très grave. Slash Nier. Je sais pas s'il va venir, hein. Oh my god, ça va être trop drôle. On va voir sa réaction et tout. Enfin, si c'est moi qui va lui dire, ou si toi tu vas lui dire, il va savoir que c'est nous, tu sais. Ouais. Ok, maintenant faut juste attendre qu'il vienne. Comment elle est? Genre toi t'as une belle toi t'as une belle BP ou pas? Pas du tout. T'es sûr? Arrête, t'as TP toi, je vais aller voir. Oh non gros. Mais non. Oh là, je crois que c'est une bombe nucléaire là. Oui. Oh là. Mais Choups, qu'est-ce que t'as fait à ta base? What the fuck?
Je mets le TP pour voir ta base et toi tu... T'es trop gros. Choups, qu'est-ce qui s'est passé à ta base en fait? Je sais pas hein. Il y a un fondateur, il est venu, il a tué des trucs, c'est pas sûr hein. Choups, moi je croyais que c'était une belle base. Tu m'as dit ouais c'est une belle base et tout, je vais pour ma vidéo et tout et toi tu... Bah elle est belle comme ça non? Ouais j'avoue. Elle bon bah... Belle. Mais tu vas le tuer t'es con! Sans ses points classement, t'es débile! Il a explosé. C'est un peu triste quand même hein. T'as détruit mes stats tacos. En tout cas t'as vraiment une belle île je trouve perso dessus là. Ouais. Si tu pourras faire des beaux bâtiments dessus mais. Bien joué mais.